Bonjour à tous. J'ai un message à passer à un chrétien qui va me suivre. Quand j'étais en train de méditer Matthieu 25, Jésus a dit « J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais nu, vous m'avez vêtu. » Les disciples n'ont pas compris. Ils lui ont dit « Mais quand est-ce que tu avais faim? Quand est-ce que tu étais nu ?» Et Jésus a dit « À chaque fois que vous avez fait du bien à un tout petit, c'est à moi que vous avez fait ce bien-là. » Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à un chrétien. Combien de fois est-ce que tu as croisé un enfant dans la rue qui mourait de faim? Combien de fois un enfant de la rue t'a collé parce qu'il avait faim? Mais quel a été ton réflexe? C'est un sorcier. Si je lui donne, il va bloquer mes finances. Si je lui donne, je ne serai pas en paix. Et on a laissé quelqu'un mourir de faim, nous chrétiens, parce que aujourd'hui, même les enfants de Dieu, la première chose, c'est toujours la sorcellerie. On n'aide pas les gens comme Jésus nous a demandé de le faire parce que nous pensons qu'à la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a des enfants de la rue qui ont été chassés par des problèmes de famille, par des remariages et les enfants ont eu à souffrir à cause de ça. Ils se sont retrouvés dans la rue. Mais à chaque fois qu'ils sont venus vers nous quand ils étaient dans le besoin, nous, chrétiens, nous les avons renvoyés. Nous, chrétiens, nous les avons chassés. Alors, peut-être que c'est arrivé une fois. Ne culpabilise pas. Jésus nous demande de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, prends courage et aide ceux qui sont dans le besoin autour de toi. Que le Seigneur vous bénisse.